sommes sur la suite. Excuse-moi. Non, pas de soucis, je l'ai dit trop tôt de toute façon. Nous sommes sur la suite de machin. J'ai oublié le nom. Devil in Me. The Dark Picture Anthology Devil in Me avec Dilo. Voilà. Hello. Voilà, voilà. Hello. Salut Gweno. C'est ma chance. Oh oh, pardon. Elle a eu peur. Elle l'a. Pourquoi elle a peur? Oh mon Dieu! Je crois que j'ai failli mourir. Comment? Tu m'as pas entendu? J'étais... Je crois qu'on n'est pas tout seul ici. Kate a vu une petite fille qui regardait par la fenêtre tout à l'heure. Moi aussi, je l'ai vue. Une gamine. Monsieur Dumet a sûrement de la famille, des amis, des employés. Cela dit, n'empêche que... Ce lieu me fout les jetons. Disons que... Ah ouais, tu m'étonnes. Il est spécial. Et tu... chantais? Oui, c'est ma chanson quand j'ai peur. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle me met du baume au cœur. Attends, on va te faire du Dorothée, ça là. Ça marche pas vraiment. Dommage. Chambre 181. C'est au coin du couloir, je crois. 183. C'est la mienne. Ok. Ok. Bonne chance. Te perds pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu cries. Merci. C'est normal. Y a pas à avoir peur. En fait... Hey ! Oui ? Hein ? Reste avec moi le temps que je m'installe, on cherchera ta chambre après. De quoi t'as son enchaînement de scène bizarre, là ? Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Merci. Je me serais sûrement perdue. C'est qu'un couloir, Erin. Elle fait genre la rassurer, mais d'un côté, elle veut pas... Ouais, hein ? Elle a pas l'air si rassurée. Hein. Ou alors, elle aime bien Erin, quoi. Quoi ? C'est... Douillet ? Ouais, c'est intime. On pourrait partager une chambre et plus si affinité. Je sais pas si t'es au courant. À Topeka, tu parlais en dormant. Quoi, ah, se oui rendre dedans? Et qu'est-ce que balèze. À vrai dire, c'était un tas d'injures incohérentes. Oh, je dormais pas. Je lisais ce qu'avait posté Kate sur les réseaux. Quelle conne, celle-là. Ah, elle l'aime pas. Tu me détestais, oh. Mais moi, je la trouve plutôt sympa. Elle fait genre, mais cette histoire avec Marc l'affecte beaucoup. La voix cassée, là. J'aime pas quand ils font ça. Pas sympa. Y a pas de salle de bain? C'est quoi? Toilette à l'ancienne. Mais c'est dégueu, ça. Et en cas d'envie pressante en pleine nuit, j'ai envie de surprendre Charlie sur le trône. J'imagine qu'il y a pas de mini-bar non plus. Oh, tu es mauvaise langue. Du poisson. C'est quoi, ça? Du vin? Non, c'est du vinaigre, meuf, je pense. Hein. Non mais sérieux, qui ose mettre une vieille bouteille de vin dans une armoire? Avec l'âge, le vin se bonifie. Dans une cave. Le et bon dans vin. Les bonnes conditions. Pas voilà. Là. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Sauf. Et puis, t'es mignonne quand tu t'énerves. Imagine, ça mec qui a pissé dedans. La bois pas, la bois pas. La bois pas. Quoi? Tu me trouves mignonne? Bon, hein, on va rendre ça encore plus gênant. Oh. Oh. Mon tampon? Ah merde. Mais non. C'est un baume à lèvres. T'es vraiment maladroite. Que dirait Charlie? Oh, m'en parle pas. Pécho dans une chambre moisie, ouais, c'est glauque, c'est un peu gênant, très gênant, comme souvent. Il est contre le mur, là-bas. Non mais il est pas loin, tendez le bras. Enfin, je sais pas. Pousse le lit, sinon. Ah, c'est compliqué, hein. Tu vas bien? Merde. Si tu veux me faire peur, non, histoire de te venger, c'est réussi. On va faire de l'as. Ouvrez la fenêtre, aérez un peu, là. Erin peut utiliser son inhalateur pour réduire ses crises d'asthme. Ah, punaise. Ok, alors j'ai des charges d'inhalateur. Là, j'en avais 4, du coup, j'en ai plus que 3. Alors, t'es asthmatique. Mais des sports, mais oui, ça craint. Grâce au traitement, je mène une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Et le truc, c'est que je dois à tout prix éviter la poussière et les pollens et les gros effets de surprise. Je suis une conne. Tu pouvais pas savoir, c'est rien. Promis.
T'es sûre? Oui, certaine. Et le baume? Donc, ouais. Douillet. C'est chiant le sport. Mais personne ne va prendre ce baume à lèvres là, on le laisse comme ça, ça m'énerve, il va devenir tout poussiéreux et tout. Truc. Oh! Et voilà, empoisonné. C'est buvable. Mais non, vrai, ça doit être du vinaigre. C'est... corsé. Du vinaigre, franchement. Ah ouais? Je perçois. Si ça date de l'époque de l'autre là, ça a plus de 100 ans le truc. Un petit soupçon d'agrumes. Non, c'est dégueu, t'es dégueu meuf, t'es dégueu. Oh franchement, elle est dégueu. Oh là là. Il était niqué dans une vieille chambre avec un matelas aussi moisi, c'est mal. Très puissant de c'est vrai, je préfère aussi. Toute sale. Oh, en fait, moi je te déteste. T'es qu'une sale menteuse. Il était une craque rare un peu. Ah, hésitation de Jill. Voilà. Oh, désolé. Le vin est dégueu. Je t'ai menti. Ah ouais. Mais arrête! Mais non, mais arrêtez, enfin, ça peut vraiment, ça peut promettre de gré, pas bon pour Désolée vous. Désolée pour tout à l'heure. Je voulais pas créer de malaise. Ah, l'autre, elle suit pas mal, ouais. C'est... On a la téméraire un peu pas très maligne et la suiveuse, bon, est mignonne, mais quand même, quoi. Allez, je vais être gentille. Quoi? Non, t'inquiète, c'est... Je suis pas la pauvre petite oie blanche pour laquelle Charlie me fait passer. Donc tu connais pas le vin? V-A-I-N-S. C'est pour ça que je te drague lourdement. Je sais pas si c'est un jeu de mots, je l'ai pas. Si je comprends bien, tu préfères boire ce truc. Mais je te garantis que c'est pas du tout tous les vins Vitavoule qui se conservent. Très loin de là. Les vins de garde, y en a pas beaucoup. Et moi, je joue laquelle, là? Moi, je joue celle de droite. Toi, tu joues celle de gauche. Oh merde! Désolé. Ah. Oh merde! Désolé. Oh non! Elle m'a foutu un safe! J'ai oh là là, le bon! Oh, je suis trop bête! En fait, c'est vrai que je te draguais un peu, mais... J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Oh, elle m'a mis un vent terrible! Pourquoi t'es tout... Pourquoi tu me fais ça, Dilo? Le coup de la bague et de la montre, le coup du... Tu me dragues et en fait tu me repousses? Qu'est-ce... Hein? Arrête un peu des... Je pensais que t'allais aussi me repousser. Bah non, je suis mignonne et tout! Oh là là, il drague comme une ouf et elle me fout avant. C'est terrible. Ça te dérange pas d'être un putain de voyeur? J'ai rien. Et l'autre, il observe en plus. Permis. Non mais je vais crever. Pervers. Ça se fait pas. Grave. Ça t'amuse de nous espionner? Est-ce que j'arrive au mauvais moment? Elle drague et fout avant. Non. Là, j'étais sur le point de rejoindre ma chambre. Bah oui, avec ce que je me suis pris. Elle m'aidait à m'installer. Ça te pose un problème? La vache, Kate, t'as drôlement remonté. Du calme, Jimmy. Je me fiche de ce que vous fabriquez. Pourquoi t'espionnes? Je joue mal. Comment ça, je joue mal? Je ne chambre et je me cherche une cigarette. Toi, tu vas bientôt plus pouvoir parler dans le chat, attention. C'est drôle de truc. C'est des nombres. Ils montent et descendent dans l'ordre. Merci, ça ne m'avait pas échappé. Bon, pense quoi, 10 minutes. Mais il y a un côté assez parodique hein, aussi dans les Dark Pictures. On a toute la soirée. Anthologie. Ça après manger. Il y a un côté assez parodique. La marche m'a tué. Si tu permets, j'aimerais bien me reposer. Je veux qu'on tourne. Mais l'horreur est premier degré. 10 minutes. Et de ce qu'on avait constaté avec mon frère pour Little Hope, c'était surtout le début qui était comme ça. Erin, j'ai regardé dans le sac bleu. Et après, ça devenait normal, quoi. Pourtant, c'est là que je les ai mises. Tu peux me montrer? L'un de nous deux est peut-être daltonien et a du mal à distinguer. Quand les dangers commencent un petit peu à se montrer. Oh là là. Les problèmes de communication dans le couple. Complètement. Mais pas backseat, bon. Bah non, backseat pas. Mais ça sert à quoi de me dire tu joues mal comme ça en fait? Genre c'est nul. Bonne chance avec vos chambres. On joue comme on a envie de jouer en fait. Et si ça te convient pas, bah t'es pas obligé de rester, mais je veux pas de remarques. Il y a encore moins de backseat, ça c'est clair. Allez, allez, en route. Plus vite. Hein? Ah, il part en courant avec la petite. Ah, c'était bien sa fille. Ah, c'est glauque. Du coup, on peut plus partir. Bah, où est-ce qu'ils vont comme ça? Ils ont oublié le vin pour le petit déjeuner. Pour le dîner. Oh, non, elle va le finir, elle. Après m'avoir foutu un vin. Punaise.
C'est un miroir sans teint. Oh là là. Je vois au petit déj, tout à fait. Merci beaucoup Kadok. Ouais, il y a pas si longtemps. À Kadok. Hein. Merci, bienvenue. Critique pas, t'inquiète. Bah c'est un petit peu quand même. Un miroir sans teint. C'est un miroir où en fait c'est comme dans les salles d'interrogatoire dans les films américains. Eh bien t'as un miroir sans teint, ça veut dire que toi de l'intérieur de la pièce tu vas voir ton reflet, mais de l'autre côté on va voir à travers. Alors je cherche. Oh. Voilà. Qui a trouvé ça pour toi? Pourquoi ça coupe comme ça? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Comment vraiment un souci. De son anxiété. Bonjour, je vous fous de la gueule. Elle a dû se dire que ça t'aiderait à gérer ton stress. Mais même pas en rêve. Je suis pas stressé. Okay. Un peu triste le friendzonage. Franchement, je le vis mal. Franchement, j'ai l'air stressé. Ouais, et ça me stresse en plus. C'était pas une question. Ça t'écoute. Ah, elle est classe ta carte de visite. Je sais, c'est le relief. Ça fait toute la différence. Je me cache les dents. Visite, ça fait vieux. Toi, la vieille école qui bosse à l'ancienne. Oh, carte de visite, ça se fait encore, hein. Je les ai imprimées en cartonné. Et le logo est en alu. Ah mais on voit pas la même scène toi et moi. Ah c'est rigolo. Ah bon? Ouais, n'hésitez pas à aller chez Gilo si vous voulez voir sa scène. Moi je suis Non. Je suis avec Charlie et Erin. Je les ai bien prises, je comprends pas là. Ah, bah, pour le moment il se passe rien moi. Bon, et si t'arrêtais de fouiller dans ce truc n'importe comment. Essaye d'être méthodique. Essaye d'être méthodique. Sac à dos bleu, la poche de devant, j'avais bien mémorisé leur emplacement. Ah, un truc, on m'a peut-être volé un truc, moi. Enfin, Erin, en tout cas. Disparu. Comme par magie. Erin, c'est qui? La nana de ta friendzone. Je sais. Ça m'étonnerait pas que ce soit Kate qui ait fait le coup. Ou Jamie. Désolé. Du coup, on vous accuse, je sais pas. Bref. Ouais, non, c'est pas grave. On va pas rester bloqué là-dessus. Passons à autre chose. Vu la taille de cette baraque, il y a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. Oh putain, l'autre il est obsédé par ses clopes, vous pouvez pas prendre un paquet avant de partir? Quand même bien là qu'on trouve des clopes, non? Non mais mec, tu vas sur une sorte d'île chelou là. Dans les bars, mais... Suis-moi, on va voir. Si tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis. Chaque fois je vois des pubs chez Gilo. Eh ben écoute, il y a un petit truc simple pour plus voir de pubs chez Gilo, c'est de s'abonner. Non, mais il devrait pas avoir des pubs, il ou elle, parce que j'ai pas les pubs activées. Ouais, mais Twitch en met quand même. Yellow Cross, la croix jaune. Oh merde. On peine ça sur le fond pour faire à la fois un reflet et bloquer la lumière. Oh, je sais pas comment c'est. C'est un miroir de voyeur, oui c'est ça. L'auteur du best-seller La Voile de l'Innocence revient avec une réinterprétation de l'épisode pitoyable Massacre de l'Histoire. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. What the fuck? Je lis un petit peu rapidement. C'est ma chambre, ça. Ok. J'écoute là. Ah, mais... Je sais pas si c'est ma chambre, mais là, le lit, il est immense. Il y en a qui ont des chambres de merde. C'est une de tes... Ouais, c'est la chambre d'un de tes persos, je pense. Celui-là, ouais. Cette chambre ici, elle est genre basique de fou. Là où je suis. Oh, encore un miroir sans teint, c'est ça, ça. Non, pas du tout. Ah si, peut-être, en fait. Mon perso, il respire très fort. Qu'est-ce qui va pas? Mon perso respire super fort, le mien. Mais il veut sa clope, il fume trop. Ouais, enfin, ouais. Il est déjà essoufflé, genre, il a fait trois pas. Peut-être que lui aussi, il est asthmatique. Ouais, je vais demander à Erin de me prêter sa ventoline. Un endroit pareil, c'est... J'en reviens pas mais de attends, la chance qu'on a. C'est un fumeur, ouais, enfin quand même, là, il a fait cinq pas. Les épisodes auront l'air nuls en comparaison. Oh, ils sont nuls. J'ai un truc au sol. Fait. Mais celui-là, il va marquer les esprits. Breaking down walls. Voilà, comment se libérer de son anxiété? Ne lâche pas, Erin. On va cartonner. Écrivain depuis 20 ans, ses patients supportent leur anxiété. Laisse-moi m'occuper de ça. Grâce à un programme inédit, vous apprendrez des méthodes pour vous apaiser. Brisez les chaînes, comment libérer votre anxiété? Ouais.
Déposons-le par terre, puisqu'apparemment c'est sa place. Bon, j'ai plein de portes fermées, moi. Je me promène dans le couloir, mais plein de portes fermées. J'ai trouvé une salle douteuse. Ah, ça m'intéresse, ça. On va s'amuser. Mais il respire trop fort. Oh, ça m'énerve. Ferme ta bouche. Non, pas du tout, vraiment, je te garantis. Vous voyez vraiment mon masque en plein milieu de l'écran. Mais il m'insupporte, c'est vraiment le perso et il respire en plus extrêmement vite. Genre, c'est vraiment... Please, quoi. À part une souris, on respire pas à ce rythme. Hein. Oh, j'ai un truc là. Une pièce. Ça, la mise au point, elle se fait pas dans mon appareil. Oui, et on peut pas la régler, elle se fait toute seule. Moi, elle se fait pas du tout. C'est 6 SS. Aussi, ok. Je vais mettre mon briquet juste pour, vous, juste pour avoir l'impression d'être à un concert de Johnny. Salut, mon pote. Bon. Une personne hypersensible, du coup, je stresse de fou, je flippe, c'est chiant. T'inquiète. On est là. Il y aura juste des petits screamers, mais tu es en sécurité. Quand tu fumes autant, tu te balades jamais sans avoir 4 paquets d'avance. Exactement. Non, mais vraiment, en soi, si t'as autant besoin de ta clope, bah bien sûr. Enfin, tu sais que tu vas partir dans un endroit en plus chiant d'accès et tout. Bien sûr que tu prends tes précautions, c'est peut-être... Je pense que c'est un des premiers trucs auxquels le fumeur le pense, quoi. Votre éditeur m'a dit que vous aviez hâte de me rencontrer. Ah, monsieur Morello. Qu'est-ce qu'il y a ? Des années que je contrôle une attraction touristique sur H.H. Holmes. Ah, tu vois le mec en jaune, c'est ça? Oui. Absolument à cette invitation. Non, merci de me confirmer votre venue. Ok. Limousine. Putain, j'en ai marre de ces mises au point qui se font pas. Grand thème du Met. Grand thème du Met. C'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Bah d'accord. Attendez, j'ai pas le temps de regarder de l'autre côté. Connected. Quoi qu'il y a ? Oh ! L'horloge. Secret trouvé ! Elle a sonné. What the fuck ? Attendez, je vous... Non mais attendez, j'ai pas le temps de voir. Ma femme et ma famille accepteront de me suivre. Mes frères Francis est en vie... Mon frère Francis est en vie dans ce moment, nous serons. Donc bien 5. Je leur fais entièrement confiance. Ils auront gardé le secret. Quoi ? De quoi ? Garder un secret. Je comprends pas tout, mais j'arrive pas à bien retourner. Bon, c'est pas grave. Bref, il y a une histoire de secret. Hein. De quoi ? Le coin de la table ou... Ah, ok. faut que je descende, je pense. Je vais faire un petit tour comme ça. Mais du coup, en fait, c'est monsieur Dumet, là. Il a dit que oui, sa femme et sa fille garderont le secret. Hé, hey, Charlie. On se trouve bizarre. Pour la prochaine saison, je me disais que je pourrais tenter des trucs niveau son, des trucs créatifs. Erin, tout ce que tu fais pour la boîte est déjà extrêmement précieux. Genre, porter tes sacs et m'occuper de ton linge sale. Exactement. Pour réussir dans ce métier, il faut savoir faire ses preuves. Montrer qu'on est motivé. Bah elle l'est, elle propose des trucs. Oh le bâtard. Je crois qu'il te faut un assistant. Oui. Un assistant? C'était une idée stupide, Charlie, mais... Un assistant? Un assistant personnel? Je vais bien fouiller la pièce avant. Comme ça, je pourrais aider au montage. Excuse-moi, au montage? J'imagine que je devrais être content d'avoir perdu mes clopes et pas notre matériel. Bah oui. Le mixage audio. Ah, il a perdu ses clopes. D'accord. Plein de choses à m'apprendre avec ton expérience. Marc peut déplier son monopode pour atteindre de transmettre ce savoir. Ouais. Pratique ça. T'as peut-être raison. Et un assistant ne perdrait pas mes cigarettes, n'est-ce pas? Mais elle y est pour rien. Arrêtez, mec. Hein. Dis. Non. Tu veux toujours réaliser des films, Charlie? C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais c'est vrai. Je vais le temps de réagir au QTE. Avec un gros budget et des stars. Ah, t'avais un QTE? Ouais, un truc. Erin, il y a une chose rapide. Importante qu'il faut que tu comprennes. Dans notre métier, la seule véritable star, oh c'est quoi? C'est la vérité. Ah, je vois. Ok, pardon, Charlie.
Donc tu naissance, veux plus réaliser décès, mariage. On peut changer de Monsieur sujet. Et Madame Robert Hall de Silver Spring. Mange, ça mange vraiment ça. Heureux de vous annoncer la naissance de leur fille Marilyn le 10 juin à l'hôpital de White Oak. Hélène et Stephen Wright de North Park sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils Maurice le 10 juin à l'hôpital de White Oak. Au nom de leur fille Lucinda Munday, George et Irene Munday de Silver Spring sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit-fils Hector Whalen le 11 juin à l'hôpital de White Oak. Ah bah je vois un truc aussi qui parle de Lucinda. Oh. Monsieur Munday, nous vous remercions d'avoir choisi Twilight Prairie comme résidence pour votre mère. Lucinda se plaît déjà beaucoup chez nous. Les visiteurs peuvent venir aussi souvent qu'ils le souhaitent et nous attendons votre venue avec impatience. Les visiteurs, donc ça veut dire qu'elle a été genre cloîtrée dans une sorte de truc. Parce qu'elle dit Lucinda se plaît déjà beaucoup ici, les visiteurs peuvent venir comme ils veulent. Les Kusaki. Je sais plus si je t'ai dit salut. Si, je t'ai dit salut déjà. Il y a longtemps. En plus de bouquin. Mais non. Désolé. Malheureux. Le balcon, on peut passer par là. Vous entendez pas le perso respirer ? Bah tant mieux, hein. Ah ! Hey, come here. What the fuck ? Mais attends, 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 j'ai pas le temps. J'étais en train de faire un truc. Je vais voir s'il y a pas une boutique de souvenirs où ils en vendent par là. J'ai déjà fait une crise d'asthme aujourd'hui, je préfère éviter ce genre de nid à poussière. On y trouvera peut-être des clopes. C'est bien l'idée. T'es génial. Dans le jeu, mais Lox hurle. En fait, c'est que je mets le jeu moins fort que nos voix, effectivement. Je n'hurle pas, en fait. Je parle même complètement normalement. Waouh. Une animatronique. C'est incroyable. Qu'est-ce que ce sera, monsieur Dumet? Oh, j'ai un animatronique trop glauque. Je le vois. Un paquet de cigarettes, je vous prie. Coucou. La clé. Hé, hey, coucou. Ah, hein. Un paquet de clopes. Mais bon, bah, je baisse mon C'était micro. Trop beau pour être vrai. Tant si vous m'entendez pas, vous plaignez pas. Merci, robot barman. Certainement, monsieur. À vos ordres. Merde, j'y crois pas. Merci mille fois, mon ami mécanique. J'apprécie. Genre, ça fonctionne. Ouais, moi j'ai cru qu'il allait faire un truc chelou. Et bon, c'est mieux de le demander gentiment si vous voulez que je baisse mon micro plutôt que de dire ah mais là c'est dur, j'entends rien. Vu que ça fait 5 fois que je règle le son, bon, c'est bien de le dire gentiment. Briquette d'éternité, oui oui. Ouais. Dans ce jeu-là, mais je préfère. Ouais. Au revoir, pite ta boule. Oh. Forcément. J'ai peur, je fais une pause de 5 minutes. T'inquiète, tout va bien. Ah, il y a une échelle pour monter. Il y a le balcon. Je sais pas si je vais sur le balcon d'abord. Faire la ah, mon perso, il a trouvé des clopes. Mais du coup, il peut pas les prendre parce que c'est dans un distributeur. Donc je pense que je vais voler dans la caisse. Encore ? Non mais c'est le truc ultime ça. Comment ça marche trop bien ? Fie-toi au fait que des fois l'action n'est pas affichée sur l'écran. Là, il y avait une échelle devant moi, j'ai deviné qu'il fallait l'escalader mais il n'y avait pas écrit escalader. Ah oui. Mais comme fais gaffe aussi aux objets que t'as en bas à droite, en bas à gauche, parce que bah moi j'ai pu déverrouiller des trucs grâce à ça. Alors que de base il te dit pas qu'il y a une action possible quoi le jeu. Voilà, il va arrêter de faire chier avec ses clopes là. J'espère que le paquet sera vide. Oh, oh la tristesse. Hé. Hey. Yeah. Les clopes à 45 il ans. Il reste coincé. Faut que je fasse quoi? Oh non, non, non. Je savais pas où taper. J'ai pas trop compris, non. J'avoue. Oh, ça devient angoissant ce jeu. Non mais là c'est vraiment du Resident Evil. Comme ça par contre, Pita, qu'est-ce qu'il y a? Le boucan qu'on vient de faire là. Vous êtes en train de démonter une bibliothèque, je vois ça. Kelly Schrader, une fois encore j'aimerais vous remercier, vous et votre équipe, pour le travail extraordinaire accompli à l'hôtel. Je vous adresse par ailleurs mes sincères condoléances. L'accident dont a été victime l'unité réduite sur le lac est tout bonnement tragique. D'accord, il y en a... Ok. Je me sens en partie responsable.
Absolument, on pourra bientôt ouvrir les portes. Permettez-moi de vous montrer ma gratitude en vous invitant vous et le reste de votre équipe à la grande cérémonie d'ouverture le vendredi 17 novembre 2017. À 19h, je vous promets une soirée extraordinaire rythmée par des spectacles thématiques dont une chorale masculine. Je suis sûre que vous trouverez vos efforts récompensés lorsque vous découvrirez tout ce que l'hôtel a à offrir. Sincèrement, Richard Belknap. Dans Resident Evil 2, le remake ou remaster ou je sais pas quoi là, je sais pas comment j'ai autant de références alors que je joue à aucun des Resident Evil et c'est ça que j'en regarde pas. Quoi la bibliothèque qui est démontée en 15 là. Non. Et qu'il faut parcourir à toute vitesse parce qu'il y a un énorme robot géant qui te court après. Et toi t'en remets une couche. C'est exactement la scène dans laquelle je suis. Robot géant. Bah il y a un grand là, monsieur. Oui monsieur, oui oui. Ça me fait rire là. Que tu aies fait ça, robot géant. Bah je sais pas comment il s'appelle. Monsieur, je crois. Je sais plus. Peut-être. Peut-être. Mais c'est exactement ça, ouais. Et là c'est en train de me faire flipper. Keep your head down, we'll do it. Don't say it, just do it. Pourquoi il se baisse pas? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, chez toi ou chez moi? Chez moi. Quoi? Mystery X. Non, allez, machine de merde, tu vas pas me faire ce coup-là. J'en sais rien, les gars, j'ai pas de rêve, moi. J'ai pas compris. Putain d'antiquité. Donne-moi ce paquet. C'est exactement mais arrête, c'est espèce de fou. Y'a un mec derrière, moi, il fait rien mon perso. D'accord. Je vais chercher ma chef machiniste. Là, j'entends à peine aussi le perso, je sais pas pourquoi. Je suis en train de regarder ton stream, là, je panique. Tout le temps que je panique sur le mien aussi. Je suis toujours au bar. Je crois que c'est l'heure du dîner, il faut aller retrouver les autres. Ok, j'arrive. Toi, je te retrouverai plus tard avec un putain de pied de biche. T'es avec quelqu'un? Qui c'est derrière le comptoir? Quoi? Ah, j'ai pas eu le temps de finir! Bah oui, moi en fait, il se passe plein de trucs, j'ai rien pu faire. Ah, il veut bien quelqu'un. Oh, je suis pas folle. Oh merde, il y avait un temps limité, on n'a pas fait. Putain, j'ai pas fini ce que je devais faire. Oh merde. Hey, sois sympa avec Charlie. C'est lui qui a lancé les hostilités en gueulant dessus alors que je faisais que mon travail. C'est moi qui parle devant la caméra, pas lui. Arrête, t'as été agressive et tu le sais. Je dis pas que t'as tort, mais tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans l'art. C'est son problème, Marc, pas le mien. Marc, écoute-moi bien. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Ça rend peut-être très bien sur le papier, mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider, et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce que tu... Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande démo. Et même si c'était le cas... Oh. Les réalisateurs sont comme ça. C'est leur boulot. Ils ont une vision, et leur ego est parfois démesuré. C'est pour ça que je me contente uniquement de filmer. Ça lui donne pas le droit d'être un connard. Non mais... Mets-toi un peu à sa place. Il a 40 balais et il attend encore son heure de gloire. Kate. Merde. C'était Missy. J'ai accéléré. Y'a quelqu'un? Oh, je suis dégoûtée. J'allais de plus en plus vite. Genre, il y avait un vase par terre, tu sais. Kate. Oh. Marc. Oui. C'est servi. Vous venez dîner? Oui, on arrive. Parfait. Merci, Squamifa. Il nous a entendu? C'est évident, Marc. Bah oui, mais vous... Vous avez qu'à parler moins fort, hein. Enfin bon. C'est pas bien grave, mais il faudrait que je fasse gaffe, parce que je... J'appuyais de plus en plus vite et je m'en suis pas rendu compte. Qu'est-ce que c'est, ça? Quelqu'un qui recoue une poupée? C'est qu'une poupée, c'est qu'un mannequin. Inquiète, inquiète. Hein? Il y en a un qui a un œil défoncé, là. Ouais, on dirait, hein. Mais oui, il y a des animatroniques, donc c'est peut-être les animatroniques qu'on voit, là. Salut! À table! Oh bah ça va être une bonne soirée. Et du coup, ils mangent comme ça, genre ils se posent pas la question d'où est de ce mètre là, qui est un. C'est de mètre. Promis, c'est là. Du mètre. Ouais, genre ils sont trop à l'aise, je trouve. Je nous sers un peu de vin? Ouais, bonne idée. Oh là, non mais c'est quoi le vin? Quelqu'un a vu monsieur Dumet? On devrait pas l'attendre? Vas-y, sers à nous, on l'a vu là. Qui peut organiser un dîner et ne pas y venir? Mais c'est bizarre. Vous n'avez rien fait qui aurait pu le froisser, j'espère. Non, papa. Oh, merde.
Allez, je vais être gentille. J'ai croisé personne ici, à part le gardien. Optimiste. Dumette doit préparer le repas lui-même. Oh, monsieur Dumette, j'adore votre coupe de cheveux. On s'est servi du vin, ça vous dérange pas? Dumette? Ouais, il viendra pas. Hein? Mais pourquoi? Dans la bagnole, il a vu toutes les conneries que t'as publiées. Quand on a faim, on a faim. Oui, c'est vrai. Il est parti à bord du ferry. Quoi? Quand? On venait de monter dans nos chambres. Comme l'envie niquée dans la chambre moisie. T'es sûr? Mais non. Bon, on m'a mis un vent. Tu dois te tromper. Je suis pas Miro, je sais ce que j'ai vu. Pourquoi il aurait fait ça? En plus, il était très pressé avec sa fille. Il y avait une petite fille avec lui. Ils avaient l'air drôlement pressés. T'avais raison. Oh! Il y avait bien une gamine. Mais ça coupe chelou, comme si quelqu'un spammait les. Ah, tu sais. Ça doit être sa fille, non? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa famille? Je m'en souviens pas. Dans tous les cas, il voulait pas en parler. Il voulait pas que. Il voulait garder sa vie privée. Pourquoi il nous aurait invité ici et à dîner pour s'en aller après? Et qui a allumé la bougie? Bah c'est eux, je pense. Il a un briquet, c'est lui qui était là. Ton perso là, je sais plus comment il s'appelle. Il a sûrement une bonne raison. On sait pas ce qui a pu se produire. Il a peut-être commandé des pizzas, et qu'on ne vivra pas sur l'île. Ça pourrait jouer en notre faveur. Comment ça? Ah ouais, Sam. Réfléchis. Moi aussi, j'ai faim, là. On est coincé dans un décor exceptionnel. Le plan tient toujours debout. Il devait avoir une bonne raison de partir. Pas de conclusion hâtive. Bon, je vais dire ça. Ou alors, c'est simplement un barge. Ce serait pas la première fois que Charles engage un expert qui se révèle être un fan de tueurs en série. Non pas que je veuille te donner raison, ça... Jamais. Mais je le dis depuis le début. Il c'est est chelou. Trop louche. Ouais, c'est vrai. Mais ça n'explique pas pourquoi il nous a plantés. Il a dû partir pour se forger un alibi. Qu'est-ce que tu... Comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, il pourra réfuter les accusations. Oh merde. Oh, Jenny. Tu veux bien arrêter d'en rajouter? Ça nous aide pas. Ok, d'accord, mais... Venez pas pleurer si vous finissez par vous faire. Ça va pas ou quoi? Je dis ce que je dis. Excusez-moi, je remonte encore un peu le son du jeu parce que j'ai l'impression qu'il parle bas en fait. Voilà, excuse. Bah, moi, ce que j'ai fait, c'est tout est à 100%. C'est la musique que j'ai baissée peut-être à 60. Ah ouais, je vais peut-être baisser un peu la musique au cas où à un moment elle s'emballe de fou. Parce que des fois j'ai l'impression que ça baisse vachement le son des dialogues parfois. La musique. Hop là. Allez, c'est un bon chiffre. Ça va hanter ? J'imagine que t'as pas retrouvé tes cigarettes. Voilà. Détrompe-toi, j'ai dégoté un paquet collector de cigarettes invisibles. Et je suis justement en train d'en fumer une. Tu vois ? Merde. Je comprends mieux ton humeur massacrante. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On reste assis, on fait semblant de manger? C'est allez. Quoi le plan, Charlie? Oh punaise, je sais pas, là, j'aime pas ces réponses. Allez, je vais dire. Peut-être que si on reste tous assis là bien sagement et qu'on fait un vœu très fort... La bonne fée de la post-production montera l'épisode à notre place et s'occupera de l'envoyer à la chaîne. Pourquoi elle est vénère? Parce qu'ils sont sur le cran. Ouais, là. Mais c'est vrai qu'elle est montée vite. Voilà. Levons nos verres à la bonne fée de la production et au plan de Charlie. Arrêtez d'être vilain avec Charlie. Bon, j'avoue, il c'est complètement de sa faute, mais bon. C'est quoi le plan, Charlie? C'est de retrouver ta chocolaterie. Bon, ça suffit. J'aimerais porter un toast. On dirait bien qu'il s'agit de notre dernier repas en équipe. Vu votre attitude à tous. Vu qu'on va tous mourir. Moi et mes apôtres. Non. Attendez une minute, j'arrive pas à savoir qui est Judas ici. What? J'ai l'embarras du choix. Mais c'est toi qui les as menés là, hein? Et bien sûr, c'est toi le martyr. Tu découvriras bien vite que tu n'iras nulle part si tu n'as pas l'esprit d'équipe, Kate. Arrête de nous faire la leçon, Charlie. C'est quoi ton problème? Tu sais, t'es pas toujours obligé d'intervenir, Jamie. Tu travailles mieux quand tu dis rien, crois-moi. Arrête, Charlie. Si tu veux notre soutien, vénère, là. Ouais, commence hein par nous traiter avec respect. Oh, il se met tout le monde à dos.
Vous... Désolé. J'avoue. Je suis à cran sur mes clopes. Ah oui, j'en doutais. Tu pouvais aller plus loin, je pense. De se détendre. Effectivement. Mais bon. Si c'est pour qu'on se déteste tous... Oh. On va picoler en attendant que Dumet daigne se pointer à sa propre soirée. Qu'est-ce que tu vas dire? Allez, je vais dire, allez, frustration. On doit se plier à ses règles. C'est sûr qu'on préférerait tous se mettre au boulot. Ou être chez nous, devant la télé. Oui. Mais on n'a pas le choix, on va l'attendre. Devant Twitch, la Lox Télévision et la Gilo Télévision. On est complètement isolés. Sans téléphone, en plus. Putain, j'avoue, ils n'ont pas de téléphone, c'est tellement dangereux. Comme si on pouvait partir. Autant essayer de s'occuper. On s'y colle. Allez. Il sait ce qu'on vient faire. Il peut pas nous reprocher d'enfreindre ses règles. Sauf s'il y a des choses qu'il veut pas qu'on filme. Non mais surtout, il est Allez, plus là. Allez, j'en peux plus. Au bout d'un moment, le mec est parti en courant. Mais c'est vous Twitch Prime, exactement. C'est bon, d'accord. Mmh. Allons-y. Moi, je vais vous laisser la scène. Très bien. Allez chercher ce qu'il faut et on se retrouve dans le hall. Voilà. Allez, positivons. À partir de maintenant, il faut faire preuve de professionnalisme. Pas de boulettes. On se tient bien. Si jamais il revient, je veux pas qu'il nous voie en train de nous la couler douce. Ou de nous écharper. Hein ? Bien reçu. On est des pros, on s'y tient. Ah, je pouvais être en mode, je sais quoi faire, c'est mon travail, machin. Elle pouvait faire sa peste. J'en aurais pas pour longtemps. Bien. Mais je les trouve trop chill bien. De savoir que le gars est parti avec leur seul moyen de transport. Bien. En courant. Même la nana qui l'a vu, là, je sais plus son nom. Jamie, je crois. Genre, elle l'a vu partir en courant, elle est un peu en mode, ah, c'était chelou. Oui. Vous avez pas de téléphone. Elle va faire des trucs chelous avec ses poupées, lui. C'est comme dans Resident Evil. Un petit peu comme Cyril North. Pardon, excuse-moi. Je sais pas Cyril North. Bordel. Le disjoncteur. Oh putain, moi j'ai une scène badante. Sius. Vas-y. Moi aussi. Oh punaise, et c'est tellement sombre. Non mais n'importe quoi. On de fou. Alors. On va aller là déjà. Regarde en face de toi. Ne sois pas agité, tout va bien, regarde en face de toi. Moi ça j'ai déjà vu, je peux le revoir. Ouais, je sers à rien. Allez. J'ai eu un frisson, c'est vrai. Je parle le temps de la scène, je me sens mal, c'est vrai. Peut-être qu'en mettant le son bas, ça ira mieux. Ah, là, c'est... Katie n'est pas allée de main morte sur les modifs. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois m'approcher d'un truc chelou. Ouais. Oui, j'entends quelqu'un qui pleure, Jamie pleure et... je dois... Non mais regarde en face de toi, Jamie. Pourquoi tu regardes regarde-moi. Tu regardes derrière toi tout le temps. Regarde en face. Prémonition débloquée, je veux mourir! Oh non! Erin, je l'aime bien. Voilà, on va faire grand chose. Hein. Peut-être monter à l'étage? Oh, mais je risque de voir tout ce que j'ai déjà vu en fait. Je vais plutôt explorer la. Allez, avance! Mais regardez, pourquoi il se déplace comme ça tout le temps? Regarde en face. Voilà, regarde en face de toi. Et elle respire très fort, elle aussi. Merde. Oh oui! Me
Monsieur Dumet ? Mais il est pas là, Monsieur Dumet, tu l'as vu partir. C'est un d'essayer de t'appeler. Il va pas réapparaître maintenant. Alors, je vous assure que je mets tout en face, mais voilà, la lampe, elle va de gauche à droite sans que je veuille. Il y a un œilleton sous le cadre, là. Rien ah, faire. Là, c'est mieux. Parfait. Je me retrouve seule dans le local de maintenance flippant d'un hôtel hanté sur une île perdue pour filmer un documentaire sur un tueur en série et sans mon taser. Oh, les choix, Jamie. Tout est une question de choix. Tout est ta faute. Oh. Ok, moi là j'ai un truc avec un digicode. C'est pas le chiffre qu'on a vu dans l'escalier, 0178. Ah non, on va tenter. J'avoue. J'avais oublié que c'était 4. Allez, on va tenter. Je crois que c'était ça le chiffre, je pense pas ça. Ouais, ouais. Il me semble que c'était complètement ça. Non, ça a pas l'air d'être ça. Mais je vais fouiller, j'ai pas trop fouillé la pièce pour le moment. Mais voilà, si tu vois un truc qui ressemble à un digicode. Arrobas killer. Fernalia. Profite bien de ton petit souvenir, mec. Qu'est-ce que c'est ? Enchère en ligne d'objets de collection de tueurs en série. Qu'est-ce que c'est comme objet ? Un chapeau. Le chapeau original de H.H. Holmes. Chapeau authentique porté, machin. Enchère gagnante 24 000 $ par HHH1896. Ah bah j'avais essayé ce code-là. 1896. Ah mais attends. Pas ça non plus. J'espionne aux portes et j'ai l'impression que le mec il est revenu avec sa fille, il est même avec sa femme. Ah tu les entends ? Je bah je crois entendre ouais. What the fuck ? Je sais pas trop. Ce serait effectué un nouveau travaux dans le spa de l'hôtel, nous négocions actuellement un contrat formel et nous aimerions que le reste de l'équipe réalise l'évaluation des coûts. Ah mais la pièce elle était pas comme ça tout à l'heure. Les couloirs ils se modifient au fur et à mesure. Ah ouais ? Bah je crois. Mais clairement. Ah c'est possible hein. Il a l'air de modifier son hôtel comme il le veut le gars à la base. Genre dans le premier truc. Regarde en face de toi. Non, j'ai regardé. Ah putain, allez! Sa lampe, elle la dirige tout le temps derrière elle. Je sais pas pourquoi, mais c'est très chiant. Me balise comme ça! Ah! Ah, je peux pas. D'accord, elle appuie toute seule deux fois. Je sais pas pourquoi. Ah, il y avait des bières. On est où là en fait? Qu'est-ce que je fais là moi? Désolé, hein, la lampe, j'arrive vraiment pas à l'orienter en face. Hein. C'est soit full gauche, soit full droite. Je n'arrive pas à faire autrement. Ok, il y a une petite scène avec des sièges en face. Petite. Je vois rien, c'est un sup. Merci oh beaucoup pour le follow. Oh. Le ouais. Disjoncteur. Bon d'accord, rien ne marchera tant qu'on n'ira pas régler l'histoire du disjoncteur. Y'a un trou dans le sol. Non y'a pas de trou. Ça me fait pas. J'ai cru que j'allais tomber dans des pics. Merci. Ok, ça fait un peu ok dès que... C'est l'accueil ça? Mais y'avait pas ces sièges là avant. Y'avait pas ça si? Je m'en rappelle pas. Peut-être mais je m'en rappelle pas. Tout va bien, je suis là. Ok. Ok, bon j'ai plein de noms de gens qui sont venus, mais je sais pas si c'est intéressant.
Peut-être que des gens qu'on va voir morts. Et notre matos devant la porte de sortie. Évidemment. Attendez, regardez son corps. Ah oui, j'avoue que... Mais what the fuck, mais c'est pour... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais mon perso, elle est déjà morte, là. Regardez sa nuque. Regardez. Oh mon dieu, ton perso, m'excuse. Ça va pas, là, hein. Merde. Ouh, salut, Louis. Ouais, un petit souci, là. Oh, putain. Attendez, je vais essayer de la remettre bien. Ah, je l'ai remise bien. Regardez. C'est quoi? Je vais mourir, Lynx. Je vais mourir. Lynx. Lynx. Le pire, c'est que j'ai entendu ton perso hurler aussi dans le jeu. Vous avez vu, elle était complètement entourée sur elle-même et j'ai dû la dérouler. C'était quoi? Erin? Vous avez entendu? C'est Erin. Là-bas. La musique est toute Erin basse, là. Ah, c'est un gros torticolis, là. Je vais sortir de là. Coincé dans le noir. La porte est coincée. Pas de soucis, oui. Et bouge pas. Attends, bouge pas. Elle était tout emmêlée, mais oui. Je crois que je vais partir à tout moment. Cortan, il en peut plus, elle est Gigi. Ne panique pas. Respire bien. Inspire, expire. Allez. Erin, on est là. Ça va s'arranger. Tu n'es pas blessée? Ah, réponds pas, réponds pas. Simpo, mon inhalateur. Merde, elle fait une crise d'asthme. C'est laquelle ta chambre? Charlie, où est sa chambre? À côté de la mienne, au bout du grand couloir. Erin, j'y vais. Essaie de respirer lentement. Je cherche un inhalateur. Erin, cherche bien. Regarde s'il n'y a pas un loquet, un gond, quelque chose. Il faut qu'on enfonce cette porte. Je peux pas. Cherchez de quoi enfoncer la porte. Avec oui, Marc, on va tenter cherchez de quoi enfoncer la porte, s'il vous plaît. Vous pouvez tous, vous êtes 15 devant la porte. Vous mettez tous un coup de pied, hein. Allez. Forcez la porte, faut que je trouve un truc pour forcer la porte. Je cherche. Je vais mourir. Kate, mène-toi. Kate, mène-toi. Oui, bah je fais ce que je peux. Je vais mourir. Non, tu vas pas mourir, bordel. Mais c'est quoi ces couloirs? Pourquoi c'est si immense? C'était quoi? What the fuck? J'ai pas trouvé l'inhalateur. Ah, fais que hurler, Qu'est-ce que c'est? Mon inhalateur! Voilà, ça, vas-y! Allez, on se dépêche! C'est lui qui a mon inhalateur, Lox! Oh ok, on enfonce la porte! J'ai pas eu le temps de réagir! On enfonce la porte! Attends-nous! Oh, alors, c'est bon, t'es là! Ça va! Hey! Ça va? Vous l'avez vu? Allez! Il y avait quelqu'un, là, dans la pièce! Erin, c'est juste un mannequin. Non, ah, juste un mannequin horrible! C'était pas un mannequin! Il portait un chapeau comme Oriolms! Tu lui mets trop de pression, Charles. Je suis en train de me péter l'épaule, à force de vouloir défoncer la porte. Mais pareil, c'était ou le pied, pas. Ou je sais pas. Tout va bien, Erin, il s'est rien passé de grave. Il y a personne ici. Il y avait tout une autre pièce qui s'est ouverte, Lox. Le mur s'est ouvert. Je suis pas fatiguée. Tout de suite. Le gars module le manoir ou l'hôtel comme il veut, en fait. Le mur, il s'est ouvert. Non, mais même les couloirs, il me paraissent chelous. Le bâtard, ça veut dire qu'il t'a piqué. Ou l'échanger. Ah ouais. T'avais fait quoi? J'ai pas eu le temps de réagir, ça s'est... T'as défoncé la porte. Ah ouais, bah ça veut dire que j'ai trouvé à temps le truc pour défoncer. Bonjour, conservateur. Vous voilà. Je trouve qu'Erin a fait preuve d'un très grand courage. Pas vous? Bonsoir, maître Corbeau. Bien. Ouais. Et où se trouve notre hôte, monsieur Dumet? Il semblerait qu'il ait quitté l'île. Mais oui. C'est grossier de sa part de manquer le dîner.
Cependant, Charlie a su rallier ses troupes, et tant mieux. Mais alors du coup, c'est qui que j'ai entendu parler ? Sera semée d'embûches. C'est peut-être le tueur avec sa... Non ? Je ne peux qu'observer, et cela peut s'avérer très frustrant. Je dois dire que je vous envie. Je consigne les événements, mais vous les façonnez. Vous devriez y retourner avant qu'un de nos amis ne prenne de son propre chef une mauvaise décision. On respire un grand coup et on tâche de rester calme. Non, Charles, ça suffit. Cette histoire est bizarre depuis le début, mais là, ça devient flippant. Oh, détends-toi. Je suis sérieuse, je la sens vraiment pas, cette histoire. Ça me tue de l'admettre, mais Kate a raison. Quelqu'un a essayé d'agresser Erin. On sait pas ce qui s'est réellement passé. Je sais ce que j'ai vu. Dans le noir. Tu crois que j'invente des histoires ? Tout le monde se calme. Ils prennent ça à la légère pour une partie d'entre eux. C'est pas le temps de réfléchir. Surtout lui. Eh ben, ça promet. C'est lui le chef, en fait, tant qu'il y pense. C'est une sortie de scène pour notre patron au courage. Ça marche, Cortan, bon courage. C'était quoi ? Mais c'est vraiment un loser, ce type. C'est Charlie qui réfléchit. On dirait plutôt qu'il pique une crise. Ça peut se comprendre. Si on boucle pas cet épisode, on est foutu. Non, mais t'es sérieux ? C'est pour ça, en fait. Quoi ? Tout ce que je dis... Ça fait des années que j'attends que tu prennes enfin une décision dans ta vie, n'importe laquelle, et là, ça, c'est ce moment que tu choisis pour t'affirmer. Encore désolé si Ashnet est à cet endroit-là, j'ai oublié de la dépasser. Pardon, je suis peut-être folle. La déplacer. Mais si Erin dit que quelqu'un était là, je la crois. Toi. On est en danger. Ce n'était qu'un mannequin. Je suis en train de mentir. Mais oui, non mais, enfin d'où quoi, il la croit pas. Tu voyais dans le noir. Je sais ce que j'ai vu. Bon. Ce n'est qu'un mannequin, faut arrêter. Voilà le plan. On a déjà un plan. On se tire d'ici. Oui, mais non, vous pouvez pas. Écoute. Surtout pas de conclusion hâtive. Je vais trouver du maître et tirer cette histoire au clair. Tout va bien se passer, ok ? Et on va les tourner, ces images. Il nous a posé un lapin. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas le retrouver ? Mon optimisme naturel. Je devrais prendre exemple. Bravo, Charles. Tes délires à la con nous ont encore bien foutus dans la merde. Dumet a filé. Je l'ai vu, tu te souviens ? Il est peut-être rentré. Je vais peut-être pas. Ça te tuerait de positiver juste un peu pour une fois ? Non mais y'a quoi à positiver ? Ça rend dingue ! Quand on voit les idées qu'a Charlie d'habitude, celle-ci n'est pas la pire. Ce n'est pas la pire idée que j'ai eue ce soir. Y'a vraiment pas de quoi être fier. Ton sens des priorités est merdique. Un psychopathe, c'est pas la mort. Mais ils osent pas la croire. Genre... Attends. Tu veux pas rester ? On fait vite. Promis. Bouge pas, que je puisse te retrouver. Ok. Soit on m'a mis un vent. Il peut raconter ce qu'il veut, c'est mort. Je ne continue pas comme ça. Kate. Je m'en vais, Marc. Tu me suis ou pas ? Lolo. Allez. Erin a vu quelqu'un. Oui. Ok, c'est vrai. Ah. Désolé, mais Charlie a dit... On risque notre peau. Ça me paraît plus grave que perdre un boulot. C'est vrai. Allez, Erin, tout va bien se passer. Bouge pas. Vous pouvez pas rester le temps que je remballe ? Je veux pas perdre une minute. Je serai juste à côté. Je pense qu'elle veut nous parer aussi. On revient tout de suite, c'est promis. J'imagine qu'elle va faire chercher ses affaires ou un truc comme ça, non ? Ferme pas la porte ! Mais c'est vous ! Désolée, je... Mais l'abandonnez pas comme ça ! Eh, franchement, c'est abusé. Tu peux laisser ouvert pour m'entendre au cas où ? Bien sûr. Je pense qu'ils veulent tout préparer et se barrer. C'est ça que je comprends. Ouais, pas très rapide. Ok, Big Boss. Où est-ce qu'on le cherche, Dumet ? Je ne cherche pas Dumet. Mais des images valables. Non mais si please. En chemin, on tombe sur lui, parfait. Putain, y a rien d'autre qui t'intéresse, hein ? Bien sûr que si. Dis ça à Kate. Tu le sais aussi bien que moi. Si on s'installe et que la caméra tourne, elle ira se planter devant. Pff, connard. Connard ! Bon attends, cherche bien les cadres et tout. J'ai vraiment un problème quand je joue Jamie, moi. Je fais ça. Merci de m'avoir permis de vous contacter directement. J'essaye de la réenrouler comme tout à l'heure. Non, c'est bon. Elle a l'air de rester normale. Ah non, elle fait que regarder en bas. Vous avez vu ? J'ai vraiment un problème avec ce perso. Hein. Je sais pas si je pouvais retourner la feuille. Tu pourrais le laisser mourir, ce gars-là ?
Si je le joue, j'essaierai. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Zut. J'en sais rien. Moi, je pouvais avoir, alors j'avoue, je suis descendue, mais c'est vrai que... Attends, ouais, non, parce que... On peut remonter, si tu veux. Ouais. Je sais pas si je pouvais retourner le papier que j'avais dans les mains. D'ailleurs, bien posé. Designer. Je me demande si le gardien sait où est passé du maître. Ah, il y a des indices à trouver. J'en ai 1 sur 5. Apparemment. Oh, ça sent la vision, ça, on est d'accord, vu la tronche du truc, hein. Il y a bien les cadres, je disais, quoi, il y a les... Ok, j'ai vu ton perso qui se faisait étrangler par quelqu'un. Oh. Attendez, je vais essayer de la revoir parce que... J'ai pas trop compris ce que c'était. Tu peux pas, je crois, il faut que tu regardes dans le menu possible. Ah, mince. 180. On était à 0,178, maintenant on est à 0,180. Trop bizarre. Ah ouais, ah non mais c'est trop chelou par contre. Bah, tu sais que plus rien ne m'étonne là. Hein. Oui, parce que c'est... Bon, on sait pas à quoi correspond ce chiffre en fait, c'est ça qui est terrible. Pour moi, c'est pas étranglé. Ah bon ? Attends, je comprends pas là. Qu'est-ce que c'est que... C'est le script de... Oui. Quand on va mourir ? Non, non, c'est le script de l'émission. C'est ce qu'on est censé tourner. Mais bon, on va le barrer quoi. Non, je vais regarder ma vision, désolé, je sais juste pas où c'est. Collection de... Ah, les secrets... Alors, c'est celui-là. Oui ? Ah non, oui, pardon ! J'avais pas vu le crochet. Ah oui, non, il se fait crocheter ! Pardon, pardon. Il se fait complètement crocheter, ok. C'est bon. Je l'ai vu se faire crocheter. Oh, j'avoue, il y a plein d'indices là. Mm. Ah, mais il nous manque des indices en fait. Oui, mais je sais pas dans quel ordre. Que... Bah... Non, mais par exemple, le 31 à gauche. Bah, on n'a pas eu le 21. Et c'était dans la suite. Comme le 32, on n'a pas eu le 42, le 41. Bon, on va voir. Mais moi, je veux retourner dans la bibliothèque. Il y avait une clé à récupérer dans la bibliothèque qui ouvrait une porte. Ah merde ! Ben oui. Juste un petit piercing. Ouais, c'est que j'ai pas vu le tout début de la truc alors. Il y a du sang qui mène à là. Hein ? Pas de courant ? Hé, hey, Charlie ! Amène-toi ! Regarde, je flippe carrément. C'est de la peinture. Enfin, je crois. Non, c'est pas de la peinture. Quoi ? C'est du sang ! Du sang, Charlie ! Attends, pas de conclusion hâtive. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a traîné quelque chose et que ça saignait. Et ça t'inquiète pas plus que ça. C'est le mec qui il est parti faire les courses, il allait chasser un... Je veux dire quoi ? Un sanglier. Écoute, c'est sans doute simplement Dumet ou le gardien qui a rapporté un animal mort de l'extérieur. Quoi ? Mais tu, ça te semble la plus logique explication ? Alors que t'as un mec qui est parti... Ouais, le mec il a l'habitude d'aller chasser, il traîne pas par terre, il a de quoi traîner... Oui, et puis il me passe à l'intérieur, il a un atelier, un truc. Au spectacle de ce soir. Ah putain, je peux pas revenir. Quoi ce délire ? Présenté par Grand Thème du Met. Du Met ? Quoi ? Il est pas parti. Non mais si. Bien sûr que si, c'est un enregistrement, bande de crétins. Ah, je te dis, moi j'ai pu... J'ai entendu un truc avec mon magnétophone là.
par où aller, on va aller par là. J'entends de la musique bien fort là. Oh, j'ai eu un raid là. Pas bien. Bravo pour le raid et merci. Tu veux qu'on fasse cette pause? Oh. Moi aussi. On dirait quelqu'un qui vient essayer de faire caca. Oh. Oui. Gant ensanglanté. Je trouve un gant ensanglanté. Non mais ça craint. Bonsoir Olympia, merci beaucoup. Et je vais attendre un petit peu avant d'ouvrir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, je peux ouvrir une porte et j'entends plein de bruit derrière, c'est bon ? Je sais pas si je suis derrière toi ou pas là. Ouais, là tu vas être sur mes traces. J'entends plus personne par contre. Ah, il y a un indice par terre là-bas. Oui, c'est un gang sanglanté. Je vais peut-être le... Ah ouais. Bon bah je le ramasse pas. Bah tu peux pas en fait. Genre juste on le regarde. Sûr de ça ? Ouais. Ah. Allez, tu entends ? Pitié ! Au secours ! Putain ! Aidez-moi ! Pitié ! Ah, vous êtes... Je ferais n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que ça va? Le mec s'est décontenancé, là c'est tranquillou, j'ai fumé une clope. Stop. Regarde. T'inquiète pas, c'est lui qui va mourir, c'est pas nous. Qu'est-ce que c'est? Merde, c'est un piège. Si t'arrêtes d'appuyer sur cette plaque... Faut que tu restes sur la plaque. Elle va se retrouver transpercée par ce truc. Au secours. Il a le même chapeau que le gars qu'on voyait dans le Cache à Sherms là. Lance. Jimmy. J'ai fait aider Charlie et j'ai pas pu t'aider. Oh merde. J'ai pas du tout aidé Charlie là. Donne-moi ta main. Allez, putain. T'es en train de m'aider là. Bah j'ai fait aider Charlie. Ça n'a pas aidé grand chose. C'était un mannequin. Elle a déjà disparu. Ouais, jamais. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se tire d'ici, et vite. Charlie. Hein? On y va. J'ai l'impression que ma décision a beaucoup influencé, parce que sinon je pouvais me replier. Et je pense que ça aurait été pareil du coup, donc je sais pas. Tu l'as ça va, Cortan. Le masque. C'est quoi ce bordel? Oh non. On est coincé. Et merde. On est coincé. Qu'est-ce qu'on fait? On enfonce cette putain de porte. Ok. À trois. Un. Deux. 3. Mais elle est descendue du haut, du coup faut la soulever en fait. Faut pas essayer de la forcer en tirant, en poussant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est passé quoi pendant mon absence? On a vu quelqu'un mourir. Le mec en jaune qu'on avait vu au début. C'était un faux mec, non? Mais je pense que c'était un faux en vrai. Merde. Bon, j'avoue, il bougeait. T'as ton cristal sacré? J'ai eu peur. Allez. Et te fous pas de moi. Meurt, je me cache. Désolé, un petit peu. Je voudrais pas que tu te coupes. Ce caillou est coupant. Et super magique. Oh, il se moque de fou. C'est une pierre d'améthyste, ça. T'aide à te calmer en t'enveloppant d'une énergie protectrice. Je sais, je me souviens. Ben si tu sais, évite de dire des conneries. Peut-être que je trouve simplement que tu devrais assumer tes propres émotions au lieu de confier le travail à une pierre. Oh! C'est mignon. T'as peut-être raison.
Mais t'as pas besoin de te payer ma tête. Ok, c'est peut-être nul de ma part de t'avoir dit ça. Je suis désolé. Ça va. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment de... Faut que je t'avoue quelque chose. Mmh. Ok. Tout à l'heure, t'as parlé de ce job que j'ai laissé tomber. Je t'ai jamais dit la vérité. On a que ça à faire, il y en a une qui est toute seule. Mais grave, c'est... parlez demain. C'était pas un job, pas vraiment. Tu veux bien préciser? Oh là là. Tu sais, mon pote Murray, il voulait ouvrir un studio à Brooklyn, de photos. Et il cherchait un associé. C'est ton rêve? Ouais. Ça m'aurait pas rapporté une thune, alors j'ai cru que... Tu me dirais que c'était complètement débile. Et t'aurais raison. Non. Oh, j'en sais rien, en fait. Là, moi, je joue pas. Je peux pas jouer à la place de lui. Mais t'as pas pensé qu'il fallait peut-être d'abord poursuivre ton rêve? Et ensuite faire en sorte que ça marche? Faut croire que non. Je suis là, tu vois. Ah! Sauf que moi, j'aurais fait le contraire. J'ai pas réfléchi à ce que j'ai répondu. Peu importe. Une pierre, non. Je le sentais pas, alors j'ai refusé. Voilà. Et j'ai rien dit pour On m'a déjà mis un ventilo, alors je vais arrêter la séduction. Tu peux quand même te fier à ton instinct sans tout me coller sur le dos. Si tu le sentais pas... Tu le sentais pas. Je veux savoir J'ai pourquoi. Refusé parce que... Je veux savoir ce qu'il veut dire par là. Taken me away from you. Hein? Oh. ça allait me séparer de toi. J'ai pas osé le dire en français. Oui. J'avoue que j'y avais pas pensé. Je crois qu'il dit un truc du style, il fallait que j'aille loin de toi. Plutôt, non? J'ai pas trouvé. Ouais. Je... Non, pour en moi, fait... c'était... Je voulais pas m'éloigner. Ah ouais, tu crois? Bien. Que veux-tu que je te dise? Allez, je vais être sympa. Je m'accrochais en espérant que les choses changeraient. Au fond, j'ai encore de l'espoir. Fallait me dire tout ça avant. Je sais. Il se vandalise de vous, c'est ça. Et si c'était différent cette fois? Oh, arrête. Il n'y a aucune chance et tu le sais. Ah. Bon. Bon. Je retente. Eh merde. J'ai pas pu repousser. Tu voulais repousser, j'étais sûre. J'étais sûre. Tu te fous de moi? Où t'as pêché l'idée que ça pourrait réparer quoi que ce soit? Oups. Hein? Merde. T'as raison, je suis désolé. Elle me repousse à chaque fois, ça dégoûte. Allons retrouver Erin et barrons-nous d'ici. Oh merde. La pierre d'améthyste. No, God, please, no! 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 J'aimerais bien savoir qui est le cours de l'améthyste triple A sur le net. Cristal, hein, de machin. Bon, ok. Donc j'aurais pu ne pas la prendre. Donc quand elle est pas bien, il faut que j'utilise la. Enfin, je peux pas utiliser le caillou sur cette fenêtre là, sur ce miroir. Tu t'es vesté. Mais attends, ils ont trouvé ma chambre, elle a pas dit qu'elle voulait être tranquille. Non, c'est bon, j'ai compris, je vais loin de toi. Oui. C'est bon. Y'a rien dans le placard, non. Qui peut bien s'amuser. Y'a des portes à des endroits où il n'y en avait pas. Portes. J'ai l'impression. Tu crois que c'est intentionnel? Peut-être qu'elle se verrouille en se fermant. Partie à droite ou à gauche? J'ai pas fait gaffe, j'y suis allée un petit peu au feeling. Attends. C'est quoi? Y'a vraiment un petit malin qui trouve ça drôle? Qu'est-ce que ça fout là? Non. T'as apporté ça? Non. Non. C'est elle? Oui. C'est qui? C'est quoi? Shelby. Campus Strangler Strikes. Ongle again. Oh non. On portait toujours le même vernis. Ouais, à gauche, il y a un faux mec là, non? C'est lui. Quoi? C'est lui. Au second plan. Tu le connais? Je le connaissais. C'était juste un des mecs qui traînait toujours dans le coin. On se croisait parfois en soirée, mais pas plus. C'est à cause de moi.
Tu sais que c'est pas vrai. Le soir de sa mort, je devais la retrouver. On devait aller acheter à boire ensemble pour une soirée. J'ai dormi. On nous disait bien au campus de surtout pas sortir seule. Shelby m'attendait, je suis pas venue et... C'est là qu'il l'a eue. Oh. Tout va bien. Putain, ça va pas bien. Rien ne va bien. Je vis avec ça tous les jours et là, il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un a voulu que je trouve ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Copine de vernis, la classe. Oui, alors je sais pas pourquoi il parle de vernis alors que c'est une copine à elle qui est morte. Pas du tout. Je trouve ça très... C'est pas vrai. Oh putain ! Par ici, vite ! Ouais, l'hôtel qui bouge. C'est... Mais elle va se faire broyer. Ouais, lâchez vite. C'est eux là, non ? Je peux rien faire là. Alors, ma manette tremblait, mais j'avais rien que ça fichait non plus. Je tiendrai pas. Écoutez. Bah lâchez. Vous devez absolument trouver un moyen de sortir. Tirez-vous de ce merdier. Vite. Attention à ta tête. Grave, et au bras. Jamie, Charlie. Non mais si. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je... Bon, c'est pas là, rien. Tu viens de te réveiller, mec. Excuse-moi, je fais une petite absence. Et la fleur, crétin. Bouge pas. Et maintenant. Merci Grim. On est foutus. On va peut-être... Ah non. Il doit y avoir un autre passage. Ouais, des couloirs de maintenance, des conduites, c'est obligé. Moi je pète le plafond, il a pas l'air très solide. Hein. Prends-toi, j'arrache la lampe du mur là, l'applique. Paf ! J'explose le plafond, mais je prends aussi un... Toi aussi tu peux pas bouger ? Si, je peux bouger. Même pas moi. Mais toi t'es le mec toi. Excuse-moi, c'est juste pour... Un peu reset, ouais, je suis le mec, mais je peux juste bouger ma cam. Peut-être que c'est pas très bien. Bon bah. Là. Ça va ? Ah, ça y est, non, tu t'es réveillé, hein ? Hein, je peux juste bouger ça ? Non. Jeu de société labyrinthe. Oh non, mais parlez pas de ça, quel enfer. Qu'est-ce que je peux faire là ? Bah... On va passer à la scène suivante alors. Qu'est-ce qui nous arrive? Des indices. Hein? Peut-être des indices. Ah ouais, mais moi je peux rien faire. Hein. Ah, c'est toi qui peux faire avancer le game, pas moi. C'est quoi ce cirque? Tu comprends pas pourquoi tu poses encore la question? Tu m'aides. D'où il sort ce type? Oh, putain. Il était nerveux sur la route. J'ai pensé qu'il était juste un peu excentrique. Entre un excentrique et un meurtrier, il y a un sacré fossé. Il faut réfléchir. Tu as vu Dumet quitter l'île. Il aurait découvert qu'il y avait un tueur ici et aurait décampé. Possible. Ou peut-être que l'homme qu'on a rencontré n'était pas Dumet. Et le type avec le masque. Je vais débrancher, rebrancher ma manette. Même si ma manette est très bien détectée, puisque je peux faire toutes les autres actions que bouger. Tu peux faire rien. Ah. Ce mécanisme, ça demande une sacrée mise en place. C'était planifié depuis le début. De toute façon, c'était conçu. Il y a un dessus. Couloir. Ce qui renforce pas. L'idée que le type du ferry n'était pas vraiment du maître. Attends. Non, bah non, on est coincé là. Je vois pas ce qu'on peut faire. C'est une action à faire à deux, mais vu que je peux pas bouger, bah. Je suis pas certaine parce que ça me propose pas. Ah, il est bien. Non, je suis sûre qu'il y a rien à faire. Pas bugué, non, ça va, ça va. Bug où je peux. Un des deux personnes peut pas du tout bouger, quoi, ça va. Mais... absolument pas d'idée là. Mais j'avoue qu'en fait, il va se passer exactement ce qui m'était arrivé tout à l'heure. C'est qu'on va avancer et derrière nous, ça va changer. Donc ouais, ça aurait été cool qu'on te débloque quoi. Bah ouais, mais je sauve je sais pas et quoi je faire. Quitte. Ouais, on va peut-être tenter ça. Hein. Retour au menu principal. Moi, je vais couper la VOD. Bisous VOD. On se voit à la prochaine.